Je savais bien que tous mes jeunes collègues me réservaient une surprise affectueuse pour mon dernier jour ici à Télématin. Alors ils ont du talent, mais ça vous le saviez, et c'est pour ça que vous continuerez à regarder cette émission. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, eux, c'est que je les aime et pour toujours. À ce propos, entre vous et moi maintenant, ça fait presque 40 ans de vie commune, ici à Antenne 2 puis France 2. Dont 32 de Télématin, ce n'est pas rien. Cette longue liaison, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et ça, c'est grâce à vous. Grâce à vous aussi, j'ai appris tellement de choses pour vous les offrir sous forme de chroniques, sous forme d'infos, courtes, simples, précises. Ajoutez à cela le talent des professionnels de France 2 pour les mettre en forme, ces chroniques, et vous aurez des audiences exceptionnelles. Merci pour ça aussi. Au fond, vous et moi, nous sommes des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. Vous êtes souvent chez vous et parfois on a un peu l'impression qu'on vit ensemble, non? Alors, c'est vous dire à quel point vous allez me manquer. Je vous demande aussi de faire le meilleur accueil à ceux qui vont me succéder à la production de cette émission et puis à la présentation avec Laurent Bignolas. Je les connais tous, ce sont aussi des grands professionnels. Vous pouvez comme moi leur faire confiance. Alors, à bientôt, sûrement, et encore et toujours, merci d'avoir été là si souvent. Et pour les grands signes horizons.